Bon les gars, aujourd'hui on va brancher deux néons et un interrupteur. Je vais vous montrer. Là vous voyez qu'il y a un ruban LED. Ici aussi, on voit clair, tout va bien. Mais là-bas, c'est le noir total, la cata. Donc c'est l'occasion de vous montrer comment on branche un interrupteur et deux néons. Il n'y a rien de compliqué. Alors c'est provisoire le temps des travaux d'isolation d'électricité. Une fois que les travaux sont terminés, je récupère les néons. Bon, tout est câblé, tout est branché, hop, et c'est pas beau ça, regardez le grand luxe pour bosser, deux néons LED, alors ça ne consomme absolument rien, niveau puissance je crois qu'on est sur du 15 watts, mais au moins je vois clair, je vais pouvoir continuer et ne plus m'embêter à accrocher le projecteur comme je peux. Regardez-moi ça, oh, c'est magnifique. Bon, les deux néons sont branchés et honnêtement, ça m'a pris une demi-heure à tout casser. Il vaut mieux perdre une demi-heure et bosser par la suite confortablement. Plutôt que d'accrocher le projecteur qui fait que tomber, ça m'éclaire mal. Là au moins, je vous l'ai dit, on bosse confortablement. Alors si ce genre de vidéo vous intéresse au format vertical, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Je garde le format bien sûr traditionnel de YouTube le samedi ou le dimanche matin. Mais si ce genre de vidéo vous intéresse, des petits formats très courts et utiles, comment brancher deux néons à un interrupteur par exemple, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement. Je sais, j'ai beaucoup de retard sur les publications, mais ça arrive très bientôt.